Le service de pédagogie universitaire Sapiens de Sorbonne-Paris-Cité forme et accompagne les enseignants du supérieur à la pédagogie depuis 2014. L'enthousiasme des enseignants nous a conduit à mettre en place l'un des premiers certificats de pédagogie, ceci pour valoriser d'une part l'engagement des enseignants qui développent de nouvelles pratiques pédagogiques et d'autre part leur motivation à oser transformer leurs pratiques. Ce certificat Sapiens arrive à point nommé suite au décret du 9 mai 2017 qui inclut une formation à l'enseignement pour les nouveaux maîtres de conférences recrutés. Le certificat pédagogique est composé d'une première partie de formation s'étalant sur 24 heures minimum. L'enseignant suivra un parcours de 8 ateliers théoriques et pratiques. Nous commençons par un premier atelier questionnant les enseignants sur leur méthode pédagogique et ce qu'ils aimeraient changer. Nous terminons par un atelier de réflexion sur l'évolution et le parcours de chacun. Nos formations sont construites autour de la notion d'alignement pédagogique, de l'importance de rendre cohérent objectif, scénarisation de cours et évaluation. Enfin, nous consacrons plusieurs ateliers permettant aux enseignants de tester, d'acquérir et d'échanger sur des méthodes d'enseignement pour qu'ils puissent diversifier leurs pratiques. La deuxième partie du certificat est individualisée avec un accompagnement et une observation de cours. L'accompagnement est une séance de travail d'environ 3 heures avec deux conseillères pédagogiques de Sapiens USPC, durant laquelle nous examinons avec l'enseignant les éléments du cours qu'il souhaite transformer. À la suite de cet accompagnement a lieu une observation de cours pour laquelle nous fournissons des conseils individualisés et en situation pour soutenir les transformations souhaitées par l'enseignant. Enfin, pour clore ce parcours, le futur certifié doit rédiger un bilan réflexif qui illustre les transformations opérées lors de cette formation, puis le diffuser soit sous forme d'articles sur notre site, de communication dans un colloque ou de publication scientifique pour présenter son expérience à d'autres enseignants. En pratique, certifiant se déroule en 5 étapes. Des ateliers de formation, un ou plusieurs accompagnements, une observation de cours, un bilan réflexif, un retour d'expérience sous la forme d'un article ou d'une publication.